venez de me voir ouvrir ici, mettre un second tableau électrique. J'avais plus de place à ce niveau-là et il me reste encore 2-3 choses à faire. Tout ce qui est réseau, accueillir la box et également commande de l'aspirateur. Je tiens à ce que l'aspiration soit automatisée. Alors, j'avais plusieurs solutions. Elle a un mode automatique, cette aspiration, et donc j'aurais simplement pu mettre des interrupteurs un peu partout dans l'atelier, ce qui était assez simple. J'ai d'ailleurs mis un interrupteur qui va me permettre de la déclencher sans avoir à descendre au sous-sol lorsque je vais vouloir récupérer, balayer tous les copeaux et en même temps aspirer ce qui traîne au sol. Donc ça, ça va être possible. Cet interrupteur, étant donné que j'ai ce boîtier, je vais le brancher ici, ce qui va me permettre d'avoir une temporisation. C'est toujours intéressant d'avoir la possibilité de vider les tuyaux de l'aspirateur. Alors ici, ce boîtier, c'est un boîtier qui peut commander des trappes d'aspiration. Pour le moment, les miennes sont manuelles. Je me suis dit que, à l'avenir, si j'ai envie de faire évoluer, j'ai le boîtier qui va bien. Alors, il est tout simple. Une entrée ici en alimentation 220 volts avec un disjoncteur 2 ampères ici qui va arriver à ce niveau-là. Ensuite, à ce niveau-là, le branchement des bobines. Ce boîtier, il peut commander 8 machines. Alors les bobines, je vais les brancher sur l'une des phases pour la scie à ruban, la dégo, la raboteuse. La dégo rabot, la scie à ruban et la scie à format, je vais y arriver. Je ne sais pas encore sur quelle phase, je vous explique ça dans un instant. Ces bobines vont être branchées ici et en sortie ici. Donc moi, il n'y a qu'une sortie qui m'intéresse. C'est en fait un simple interrupteur. Soit je suis ouvert, soit je suis fermé et ça va piloter l'aspirateur qui est en bas. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un petit délai, une temporisation qui va me permettre de bien vider les tuyaux. Pourquoi je ne vous ai pas dit sur quelle phase je vais la mettre, je vais les mettre ces bobines? Tout simplement parce que les machines sont équipées de la montée-baisse électrique qui est en 220, donc sur une seule phase. Et si je branche la bobine sur cette phase-là qui utilise la montée-baisse électrique, je vais me retrouver à avoir un aspirateur qui va déclencher alors que je suis en train de faire les réglages de la machine. Ça n'a aucun intérêt. Si ça se produit, à ce moment-là, je changerai de phase. Donc voilà pour l'automatisation. Je vous ferai également une petite visite de l'intérieur de l'aspirateur moyennant un petit coup de fil, moyennant un schéma électrique, alors que tout est bien expliqué, on sait exactement à quel endroit venir commander ce boîtier. C'est vraiment bien foutu. Alors, une fois câblé, ça ressemble à ceci. Bien sûr, c'est alimenté à ce niveau-là. Ici, les 6 fils des bobines. À gauche, les fils noirs et blancs qui sont sur les communs. À droite, bobine 1, bobine 2, bobine 3. Et en sortie, quand rien ne se passe, c'est ouvert. Quand il y a détection de courant, c'est fermé. Pareil ici, quand mon interrupteur est ouvert, on est ici. Quand mon interrupteur est fermé, ça ferme à ce niveau-là. Ce n'est rien de plus qu'un interrupteur télécommandé. Je vous montre derrière les bobines. Ici, un exemple de bobine, c'est celle de la scie à ruban. Elle est sur l'une des phases. Et en dessous, exactement de la même manière, sur une seule phase, les bobines scie à format et dégo. Et je vous montre au sous-sol, finalement, dans le schéma électrique, comment on peut essayer de se repérer si on a le même genre d'installation à faire. À ce niveau-là, je me permets une petite remarque. Un réseau d'aspiration, il y a plein de règles, il y a plein de calculs, mais il y en a deux qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre. Des coudes les plus larges possibles. Ceux qu'on trouve dans le commerce, on ne peut pas avoir un coude à 90 qui soit vraiment serré. La distance ici, je crois que c'est 2 fois le diamètre du tuyau. Et puis, une autre chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que les tuyaux flexibles, moins on en met, mieux on se porte. Et ici, j'avais la possibilité de faire un raccord entièrement en tuyau dur. Ça me permet d'avoir beaucoup, beaucoup moins de perte de charge. Alors, quand on est face à une installation électrique comme ça, moi, les installations électriques de machines, j'y connais pas grand-chose et j'y ai avancé avec un peu à tâtons. J'ai passé un coup de fil à Fabien qui est technicien et qui sait de quoi il parle. J'avais bien repéré, je vais vous le montrer sur le plan, qu'au final, c'est au niveau de ces entrées numérotées 8 et 9 qu'il fallait venir brancher le petit câble de commande qui arrive ici. Et en fait, ça fonctionne de manière très très simple. Quand je suis en mode automatique ici, si je fais, on va dire, un court-circuit, si je ponte ici ces 2 entrées, il faut que je sois à la bonne largeur. Voilà.
l'aspiration fait du bruit, mais on entend le relais. Il faut bien comprendre que tout le boîtier qu'on a mis là-haut, c'est simplement un interrupteur qui va venir fermer ou ouvrir entre ces deux contacts. Comme je disais, c'est assez hermétique pour moi, un schéma électrique. Mais ici, quand on voit external contact et que l'on a la borne 8 et la borne 9, on se doute bien que le bazar, il va se jouer par ici. On est ici à l'extrémité du réseau d'aspiration qui concerne la scie toupie. Et vous voyez par exemple là, la descente avec l'aspiration basse de la toupie. Ici, ça sera l'aspiration haute. Là, ici, ce tuyau de diamètre 50, c'est l'aspiration haute de la scie. Derrière, on a l'aspiration basse de la scie. Un gros empilement de Y avec des dérivations à chaque fois. J'ai déjà fait des essais, je vous montre ça un peu plus tard, mais ça aspire très très fort. Par contre, là où je ne suis pas très content, c'est que ça dépasse beaucoup dans ce sens-là. Que ici, je vais avoir l'entraîneur qui va basculer, que ça va être une zone assez encombrée. Donc, j'ai envie d'essayer de compresser tout ça. Je vous montre ça, je vais tout démonter. Et les Y, à chaque fois, il y a moyen de gagner pas loin de 10 cm à chaque raccord, ce qui devrait pouvoir me permettre d'amener cet ensemble à peu près par ici, ce qui sera nettement plus raisonnable. Allez, c'est parti! Regardez, ça c'est l'ensemble tel qu'il a été conçu et assemblé hier. Le coup de 90, le Y sorti 120, le Y sorti 80 et le Y avec réduction, donc j'ai du 160 à ce niveau-là, du 80 qui descend et du 120 au bout. Et à chaque jonction ici, bim, il y a moyen de gagner 10 cm, 10 cm et encore 10 cm. Et pour ça, eh ben, plutôt que d'avoir le collier de serrage à ce niveau-là, je vais recouper ici et là mes tubes, je vais refaire les petits collets, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mais bon, je ne suis pas trop certain. Et ça va me permettre de gagner tout ça. Alors vu de ce côté-là, on ne se rend pas bien compte, mais ça a pris une sacrée cure d'amaigrissement. Ici, j'ai même pu du coup connecter presque jusqu'au bout en rigide pour la cape haute. De ce côté-ci, par contre, c'est beaucoup plus parlant. Avant, on venait jusqu'ici, donc une vraie grosse cure d'amaigrissement. Ça peut paraître tout de suite extrêmement positif parce que plus un réseau est court, moins on a de perte de charge. Attention à ne pas pour autant réduire les rayons de courbure. Là, je n'ai pas réduit les rayons de courbure. Par contre, en rapprochant les Y, quelque part, je jouais un peu à la loterie dans le sens où j'aurais pu engendrer des perturbations dans le flux qui, d'un Y en l'autre, auraient amplifié les choses. Ici, ça fonctionne toujours extrêmement bien. J'ai des vibrations. J'avais des vibrations en baisse de régime à ce niveau-là. J'en ai plus. Donc je me dis que le flux, il est peut-être encore un peu plus laminaire qu'avant. Bref, je préférais vous dire, vous faire cette petite mise en garde. On n'est pas tout à fait certain. Et puis, j'ai absolument aucune envie de me lancer dans des calculs complexes que d'ailleurs je ne sais plus faire de mécanique des fluides pour voir si cette approche était la bonne. En tous les cas, elle est la bonne pour ce qui est de la place dont je disposais et qui est maintenant compatible avec l'usage et l'installation de l'entraîneur.
C'est super. Les premiers rangements prennent forme, que ce soit ici pour les serre-joints, que ce soit derrière à l'arrière-plan sur le chariot de la scie pour tous les petits accessoires absolument nécessaires à avoir sous la main. Pour autant, eh bien, on a déjà pas mal de chutes qui s'accumulent. Ça va très très vite et il n'est pas question d'envoyer ça à la déchetterie comme je pouvais le faire parfois à la Réunion. Cet hiver, je serais bien content de brûler tout ça. Pour tout vous dire, la boîte juste à côté, c'est celle que j'utilisais justement pour les chutes à la Réunion. J'ai l'intention de la remplacer. Elle a transporté tous mes outils de toupie, elle l'a bien fait, mais il n'est plus question de la réutiliser. Par contre, je vais continuer à faire du recyclage avec le contreplaqué que j'avais utilisé pour les caisses du déménagement.